C'est 26 avril, donc c'est une date importante dans l'histoire du pays. Hein. Côté, ça fait 50 ans, donc depuis, tu as gagné une quantité de monde qui était mouru, assassiné sous le régime Duvalier et sous le régime François Duvalier. Donc, thème réflexion aujourd'hui, c'était l'itéchita sur l'impunité. Impunité qui c'est un blocage pour fonctionnement système, pour fonctionnement la justice et haïtien. C'était ce thème ça, réflexion t'a fait. Mais deux intervenants, moi-même avec Patrice, pour prendre thème là, selon réalité, pays a joué aujourd'hui et en même temps attirer attention sur responsabilité chaque femme, chaque garçon en de pays a gagné pour capable de bataille contre l'impunité. Alors, notez que l'impunité a donc c'est absence sanction. Donc son réalité côté moun pa rann kont pou zak yo fè, mais tout son réalité côté li moun non seulement pa rann kont pou zak yo fè, mais tout genyen tout yon série pratique donc kap empêche moun kap empêche la vérité fait, kap empêche gen bon enquête efficace ki menen et kap empêche tout genyen jugement, gagner condamnation et gagner réparation, jugement, condamnation pour l'auteur zak criminel, mais justice et réparation pour moun ki victime en zak criminalité. Donc c'est et nous impunité c'est un phénomène qui chita kolita pour un système en da peyi a. Côté aimer moun pa rann kont pou mauvais ak yo fè et système impunité a phénomène impunité ça aimer li gagnen conséquences li gagnen diverses mauvaises conséquences sou d'abord moun an da peyi a li détruit et sentiment dignité moun gagnen li empêcher moun gen confiance yon nan lòt, li empêcher moun capable travay ensemble avec lòt, li détruit la vie communauté a. Mais tout impunité a comme conséquence li gagnen en sous économie, donc li empêcher gagnen investissement réel sérieux qui capable fait et qui ta capable aider pour développer pays à yon façon total capital, qui ta capable permettre moun jwenn travay, qui ta capable permettre gagnen la vie et